lancer le stream. Rire Software. C'est Rire Software qui s'appelle. Je sais pas si c'est Rare Software, mais sur l'accueil c'est Rare tout court. Rare entreprise. Oula. Rareware. Qu'est-ce qui se passe? C'est britannique de développement, les désirs. Il y a un nouveau bateau. Voilà, ils ont quoi leur actif comme jeu? Enfin, ça fait un moment qu'ils en font en même temps des jeux, ils existent depuis les années 80, donc... Ouais, mais je veux dire en jeu récent, du coup. J'ai l'impression de les voir beaucoup. 90... C'est année 2000. Année 2010, je suppose, c'est un peu plus loin que j'ai. Non, j'ai pas année 2010. Donc c'est 2000 jusqu'à maintenant. Donkey Kong Country 3, Perfect Dark Zero. Je te lis que les trucs dont le nom me dit quelque chose, hein, parce que là. C'est pas par ordre de. Perfect Dark, Kinect Sport. Perfect Dark, c'est un peu ultra vieux. Killer Kinect Instinct. Sport, c'est pareil, c'était sur Xbox. Ouais, je suis dans les 2010 et quelques là. Ouais, va plutôt dans les. Bah en fait, j'ai 2015 Rare Replay, 2018 Sea of Thieves. Ouais, et après? Et Everwild qui est pas encore sorti. Ok, donc ouais, ils ont rien fait depuis Sea of Thieves. Non, et ils avaient rien fait depuis Sea of Thieves. Enfin, avant Sea of Thieves, ils avaient rien fait depuis Kinect Sport. Ah oui! Ouh. Non, j'exagère un peu, ils avaient fait Killer Instinct en 2013. Je crois que ça a pas trop mal marché, Killer Instinct. Enfin, c'est connu. Je me souviens même pas ce que c'est. Je sais plus si c'est un jeu de combat ou si c'est un. Bref. C'est 3 saisons quand même. Ouais, c'est un jeu de combat, apparemment. Ouais, il me semblait que c'était un jeu de combat. Et du coup, bah 2018, 5 ans de développement plus tard, Sea of Thieves. Ouais, bon, 5 ans, ça me choque pas. Ça colle à peu près. Ça me choque pas. Alors, le stream a dû démarrer entre temps. Oui. Bonjour le stream. Bonjour. Ouf, ah. Quoi? Ouf. Quoi? Oh, j'ai pas coupé mon VPN. Ah. Obligé de relancer le jeu, ce qui me fait que très peu plaisir. Bah ouais, ça va qu'il est pas loin des. Ah, je déconne. C'est quoi les booters? Ah, tab, journal pirate. EFDX. Ah non, je. Bouton, ah la saison 11 se finit dans 7 jours. Ah. Et on a des points? Comment ça, on a des points? C'est la saison qu'on a faite ou... Oui, on est niveau 100. Ah, ok. Enfin, je suis niveau 100, mais il me semble que tu l'étais aussi. Il me semble aussi. Du coup, je sais pas ce qu'on fout ce soir. Ce qu'on fait, on tourne en rond sur les mers. Forme en... des... Ouais. Le truc d'Athéna. Voilà. En vrai qu'ils rajoutent des quêtes avec des énigmes. Je veux des quêtes d'histoire un petit peu. T'es un peu comme les Shore of Gold, tu vois. Une île pépère séparée du reste du monde où tu peux te balader tranquillou. Après, je sais pas si tu peux fermer Athéna en mer calme. Oui, mais... jusqu'au niveau 20 comme les autres je suppose et que à 30%. Ouais, déjà que c'est pas long alors 30% comme les autres je suppose. Ah, quoi qu'en plus non, comme c'est de l'héroïque je suis même pas sûr en fait. Oh. Tiens, tu es arrivé. Ouais, je suis en train de charger gentiment. On a un bateau de riche, il y a des dorures, j'ai oublié que j'avais mis des dorures partout. Bon, il y a des trous partout comme d'hab. Ouais, bah ça c'est grand classique. Bah je sais pas. Ah, je viens de me réveiller à la taverne.
Alors, émissaire de la fortune d'Athéna, vous pouvez désormais présenter la fortune d'Athéna en tant qu'émissaire, vous permettant de rendez-vous. Ben non, mais je peux pas faire ça. Bah on peut pas, fallait être niveau je sais pas combien pour la fortune d'Athéna. Ils l'ont À moins qu'ils changé? aient changé le truc, mais... Ah, blou, 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 blou. J'ai cherché... Non, ça me met acheter une licence d'émissaire pour représenter cette société. Ouais, mais est-ce que tu peux l'acheter même si t'as un niveau de merde? Bah je vois pas qui. Il me vend rien. J'ai envie de dormir, lol. Merde, c'est vrai, tout à gueule. Ah tiens, faudra que tu lises ça, ça donne un accomplissement. Hein? Bon, tu l'as peut-être déjà, mais... Ah non, 1 sur 5. Bah, ça m'a mis Alors un ça, 1 sur c'est la 5 plus un bataille. accomplissement. Oui, acheter la licence en un... Augmenter, gna gna gna. Putain! En plus, je les trouve chiantes à faire les quêtes d'Athéna. Bah oui. J'ai aucune Bah, c'est surtout que ça motivation à faire avance pas ça. beaucoup. Bah sinon on fait autre chose, mais qu'est-ce que quoi? Attends, je vais aller voir ce que ça propose sur le bouquin. Journal Pirate. Créateur crew, c'est quoi ça? Alors, attends, quoi? Yo, il y a un truc où faut que je regarde des streams de Sea of Thieves et il y a des trucs où faut que je stream des parties de Sea of Thieves. Vu que tu regardes mon stream, tu l'auras le temps. Ah oui, il fallait atteindre la promo 10. On est 6. Pour avoir des nouvelles missions. Ouais, moi je suis 4 et demi, mais ouais. Ah non, je suis 5 Ouais, mais du moment qu'il y a un ou deux demi. qui laissent pas. Oui. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Sinon, moi, il fallait que je refasse toutes les fables du Flibubu, mais. Attends, on va aller. On va aller chercher des coffres au pif. Ok, Des ça me coffres va aussi. légendaires pour Athéna là. Ça va nous filer 3 de pex. Ouais. Qu'est-ce que, quoi, comment? Par à poil. Ah non, c'était F, putain. Recliquer sur tous les boutons n'importe comment. Est-ce qu'il y a des méchants bateaux sur la cacarte? Je vois pas de méchant bateau sur la cacarte. Je sais plus jouer à ce jeu. Espace pour sauter. C'est Oui. toujours pas échappe pour quitter la carte. Non, toujours pas. Comme les trois quarts des menus. mon dieu, c'est horrible. Bah, surtout quand ça fait 30 ans pour moi que tu appuies sur échappe pour sortir des menus. Bon. C'est un peu dur de pas appuyer sur échappe pour sortir des menus, quoi. Attends, t'es en train de vider tous les tonneaux de l'île là? En fait, ils ont. Ils ont quoi? Il y en a qu'on merde, qu'on refresh entre-temps. Donc je les ai vidés deux fois. Ah, ok. Mais non, je suis pas. Je suis juste descendu au pied du ponton. Ah Non, merde, t'as c'était pour raté. attraper l'échelle. J'appuie sur E, donc il s'est rien passé. Ça promet ce soir.
Ah oui, ça va être génial. Alors, une trentaine de planches et une vingtaine de boulets. Ça se prend. Ouais. J'ai. Surtout la trentaine de planches, ça veut dire qu'on a fait x2, quoi. Ouais, les planches, on en a pas assez au début, clairement. Tu te fais attaquer par un bateau pirate, ça part très vite. Oui, bah, c'est ça. Tu te fais attaquer par n'importe quoi. Ah, mais je suis con, tu t'as voté sur la quête? Pas du tout. Je me dis, c'est bizarre, j'ai rien dans mes trucs de quête. Oh, on va aller loin ce soir, Renaud, ça va être un truc de ah, ouf. Mais... Entre moi qui suis en train de décéder avant de commencer et le fait qu'on n'a pas joué sur le jeu depuis 1000 ans et toi j'ai l'impression que ton cerveau est pas là non plus. Ouais. Ça va être génial. J'ai hâte de croiser les 40 millions de joueurs. Moi je sais pas à quel point ça crossplays. Vous avez pas désactivé d'ailleurs le crossplay sur ce jeu? Je me souviens pour Back 4 Blood, mais pour celui-là, je sais pas. Ah non, c'était sur Back 4 Blood que ça cassait les couilles. Je sais plus. Moi, souvenir, rien du tout. C'est l'avantage et le désavantage de la mémoire. Si vous avez 15 jours, j'ai été dominé. Bah, on est arrivé, hein. Même pas lu la quête. Bah, y a pas de quête, on a une boussole. Bon. Et comme la téléportation nous emmène à côté des quêtes... On n'a pas de chaloupe? Non, je crois qu'on avait coulé avec celui-là. Bah il y a une chaloupe là, bon, qui est violette, hein, donc elle est dégueulasse. Ouais. Mais... Je crois qu'on avait coulé. Oh, 49 putain. Sur 74, tiens, sur les îles. Ça commence. Il est où le trou? J'ai frotté, hein, je sais. Oh, c'est un trident. Il est là. C'est cool les tridents. Ouais, alors bon, après c'est la chaloupe de base, hein, mais. Ça se vend les tridents. Tous maintenant, on sait qu'ils se vendent tous en plus. Ah oui, c'est vrai qu'ils se vendent tous maintenant. Non, mais je veux pas monter, je veux la pousser, bordel de merde. Il veut pas la pousser par là, tu vas être obligé de faire tout le tour de l'île. Alors si tu veux que par vers l'avant et vers. Ça va être vite. Un go. Ah, tu l'as eu. Oh oui. GG. Ah, il veut plus. Non, par contre, on n'est pas venu pour la chaloupe à la base quand même. Oui, non. Je m'occupe de. Oh, une caisse de mun, attends, avant de partir. Et merde. Je n'ai pas fait le tour de l'île. Je sais plus utiliser la chaloupe, je sais plus utiliser rien du tout. Je sens que ça. C'est vrai que c'était bien de la merde les commandes de chaloupe. Je pense que c'est une bonne soirée pour que le jeu il nous dise tiens, je vous mets un Kraken, tu vois. Oui, pour une fois. Ah merde, putain, c'est pas ce que je voulais faire, j'ai sauté à l'eau comme un con. Je voulais aller. Non, attends. Chercher ma caisse, bordel. J'ai une caisse pour tout. J'aurais pu ne pas en acheter une en fait. Oui, merde. C'est dommage. Perdu 5 000. Bon, par contre, t'as découvert un coffre qui brûle, quoi. Un qui brûle, c'est pas le plus dangereux. Pas le plus dangereux, mais c'est pas non plus un coffre que tu mets juste et t'oublies, quoi. Mais du coup, ce coffre qui explose, il file du truc d'Athéna ou. Probablement. J'ai récupéré ce qu'il y avait dans la caisse que t'avais, je l'ai pas prise, hein, du coup. Ah, ouais. Hop. Et je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si le jeu nous dit de faire autre chose. Oui, il y a une autre île. En fait, ça va être un. Ah, il y en a plusieurs quand même. Une suite de gars. Bah, ouais, la dernière fois, on avait eu un qui brûle et deux qui pleurent, je crois. Un truc comme ça. Pas mal de boulets et des planches. Chaloupe rosas, violetas. Ouais, violetas dégueulasse. C'est un bateau ça? Je ne m'en souviens pas. Pas un bateau.
Une pièce de mune. Alors, je le laisse là ou... Oh, je l'ai posé là parce que j'ai la flemme de descendre. Ah, ok. Je sais pas, je me suis dit c'est stratégique, c'est pour se battre. Ah non, je pense que si on doit se battre ce soir, on va couler, hein. C'est pas impossible du tout, effectivement. Hop, trident des sombres marées. Ah, puis il y avait un truc comme ça où fallait revendre je sais plus combien de tridents, mais je sais plus si c'était juste un défi ou si c'était un truc de saison. Je sais plus, de toute façon on n'a besoin de rien techniquement. Il va exploser, va falloir que t'ailles éteindre le feu. Bon. Je vais chercher de l'eau. N'oublie pas de remplir le tonneau régulièrement. On se tirer dessus. Ouais, Ça c'est va par vide. la plage. Bon, tu pètes, Jean-Mi, ou... Mais elle a pas l'air motivée. Ah si, là ça. Ah, on va le prendre celui-là. Non. Ouh, C'était pas juste. passé loin. Ça a l'air d'être cette île là par contre. Il y a une autre chaloupe. Quelle couleur? Blanche. Oula. Ça siffle, ça va péter, c'est ça. Je suppose. Je te laisse aller déterrer le. Ok. Le chest, merde. J'ai mis le qui brûle à l'eau. Le qui brûle à l'eau. Ah, il y a un canon sur cette chaloupe. Ouais, non. C'est une chaloupe de base aussi. Quoi? Tu peux juste piquer ce qu'il y a là dans le coffre. Bah, je suis C'est la big, lanterne je que tu suis vois devant. bigleux alors. Ici, the lantern, that you see. Zata ici. Eh bien, je vais vider son chest alors. Merde! Dommage, c'est pas ça. Tiens, tu parleras au squelette, ça donne un. Un peu de. Il est où? Un peu deux. Un d'avance sur le truc qu'on a lu tout à l'heure. Ah putain, c'était là. J'ai vu une coupe. Oh, t'as une drogue. Tiens, bah. Point, 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 En point, vrai, on va point, point, approcher la point, point, chaloupe point. et je ferai des allers-retours de. Ah, mais non, c'est encore des munitions. Ah, mais attends. Le Kaffirer des Minigvogger. Ah non, je voulais pas du tout prendre. Mais comme j'utilise pas les bons boutons. Et Je bon switch entre des trucs. Et du coup, je prends ma pelle pour attaquer les gens. Ah, mais c'est parce que je suis. Je suis en QRT ici, du coup. Non, c'est quoi ce délire? je sais pas, mais il y a encore des squelettes qui ont Ah, apparu. peut-être qu'ils ont résolu le problème de QRT de ce jeu. Feu feu feu. Alors, apparemment, pas du tout. C'est pire, d'accord. Chier. Oula, il va falloir que je revoie les configs. Oh. Parce que là, ça fait ce que ça veut. J'arrive même plus à bouger. T'as tout cassé? Ouais, mes configs, oui. Hop. Je suis dans le menu, je fais des configs. Je suis pas là. Clavier souris. Tout
quoi ces configs? Sont tout cassés. Ouais, c'est un peu config clavier à l'arrache. Ou tu te souvenais plus que t'as. Lâche ça, toi. Ou tu te souvenais plus que t'avais tout mappé comme ça. Ouais, ou faut que je remappe tout. Bon, je passe à un autre joueur. What? What, what? Bah, je peux re-plus bouger. Clavier souris. Non, mais remets-moi en. Ta manette branchée, et du coup ça fait de la merde. Non, non, c'est les raccourcis, c'est bizarre. Ils ont changé les raccourcis du QWERTY, c'est pas possible. C'était quoi la roue? Donc tu le dis. Ah, c'est parce que j'en ai pas dans les poches. Ok, c'est ça. Quoi que t'as pas dans les poches? Ah, t'essaies de trouver le raccourci clavier pour les boulets et trucs comme ça? Oui. Petit type là. Et normalement, ça c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait. C'est une blague. Les raccourcis de clavier de ce jeu sont obscurs, c'est un truc de ouf. Va chercher le coffre qui brûle. Va chercher le coffre. Ouais, parce que je l'ai ramassé, j'ai voulu le remettre au bout et je l'ai remis dans l'eau. Et surtout, en fait, je voulais pas me faire bouffer par le requin, donc je t'y ai envoyé, parce que je suis un bon capitaine. Ouais. T'envoies la bleusaille au décès. Ça va, je t'ai cover. Je suis re en train de perdre ma voix. Attends, t'as changé de coupe de cheveux ou quoi? Ou t'avais déjà ta coupe C'est quoi ce bruit? C'est parce que t'as tiré dans l'eau avec le harpon qui était accroché au. Merde, y'a un bug! Bah oui, j'avais changé, c'est la coupe de cheveux la dernière fois qu'on a joué. On dirait. C'est l'ensemble qu'on a eu pour la saison. Ah! Okay. Avec la coupe de cheveux de la saison. Que je trouvais que ça allait pas mal à mon perso, donc j'ai fait vas-y. On va remplir ça. Voilà. Toujours pas échappe. Pardon. C'est pas échappe quoi. J'en mets plus à gauche, je dirais. Oui, mais je la vois pas en fait. Je vois qu'il y a un caillou. Mais ouais, ça pas. Je vois pas d'île en fait, je vois des cailloux. Ou tu vois de l'herbe, tu vois, j'allais dire tu vois de l'herbe. Tu vois du sable? Je vois de l'herbe, ouais. Tu vois du sable et pas. Pas du tout, à gauche je vois le fort. Ah ouais, mais ça va pas être sur le fort. Attends, il y a une. Il y aurait une île là. On est à Blackwater Enclave. What? Je vois rien moi. Quoi ce truc? Oh si, là il y a une île. C'est une île ce truc. Alors il va péter le coffre. Hein. Ouh. J'ai eu le temps de l'attraper. Ah, tu l'as balancé à l'eau. Je me suis jeté avec lui. Il y a une chaloupe par contre. Je sais pas. C'est facile, elle a un harpon. Je sais pas ce qu'elle joue ce soir, mais vous avez 3 îles, 3 chaloupes. C'est ça. Ah bah je suis pile dessus. C'est celui qui chiale. Ah super. Ah, c'est vrai qu'en plus dans le dernier
log que j'avais lu, il n'y avait plus le truc où tu peux accrocher une chaloupe avec un harpon derrière et le mettre dans le truc. Ah, faire une file de... Bah en fait, avant quand tu mettais le coffre qui pleure sur une chaloupe traînée par un harpon, ça remplissait pas le bateau. Non, je pense... Et maintenant, si. Je pensais que tu disais... Ok. Bref. Je me comprends. Ah, okay, oui. C'est déjà bien. C'est ça. Encore une boîte de munitions. Eh ben. Bah, mon cerveau a du mal, hein. J'ai failli dire. Eh mais on n'a pas voté pour l'émissaire. Ouais, c'est vrai. Non mais. Je veux dire, tu dis la vérité. On n'a pas voté pour l'émissaire. Hein, complètement con, mais oui. Pas de souci, hein. Putain, mais il y a encore une caisse fourre-tout sur la plage, quoi. Ah, je l'ai même pas vu. Plein sud. Oh, apparemment, on n'est pas tout seul, il y a des gens à Dagger tous. Ah, j'ai rempli mon merdier, je reviens avec la caisse, je remonte le truc qui pleure et on est ouais, bon. Et si je le laisse accrocher à un harpon, le truc qui pleure hein. Bah, juste. Ah, un harpon là, ouais, non, ça marche pas. Ah, oui, bah oui, parce que ça se met derrière moi tout seul. Yep. Du coup, en fait, du coup, maintenant, on va mettre le coffre qui brûle à la cale. Avec le truc qui pleure avec. Voilà, on laissera un petit fond d'eau. C'est ça. Enfin, pour l'instant, je le mets à la pointe parce que l'autre, il a pas commencé à pleurer. Yep. Alors, bon, tiens, chial, s'il te plaît. Oui, oui, on a tout. Faut aller au sud. On l'a fini là, la mission d'Athéna. On a eu 3 pixels de pex, c'était génial. Bah ouais. Pourquoi faudra voir en vendant les trucs? Bah j'ai pas l'impression. Alors que moi j'ai ça pas des... bougé, hein. Je suis toujours très exactement à 3 quarts. Ah non non, je te dis le truc il a... J'ai vu la barre de pex d'Athéna apparaître et ça fait poup. Mais à peine poup, tu vois. Ouais, c'est juste histoire de dire, putain j'arrive même pas à parler. Attends. Quand même pas faire comme l'un qui était racide dans le truc que je matais ce midi, où ils font tout un moment comme ça où ils parlent sans desserrer les dents. Ah ouais. Planète Crafter. Ouais. Sur Planète Crafter. Ouais. J'attends une réduc et on faudra qu'on aille dessus. Quoi. Voilà, ouais, surtout que effectivement la coop, ça fait plaisir. Quoi. Ouais, j'ai regardé, ça, j'ai fait. Dit... Tiens, on dirait le début d'Osiris New Dawn. Alors, moi, le jeu est sorti. J'avais fait le prologue à l'époque où le mec avait sorti juste le prologue. Et c'était coolos le prologue. Ça fera un jeu de survie. Mais ça s'arrête à la première étape. Ouais, ciel bleu. Il va péter, t'as de l'eau dans ton seau. Ouais, c'est ça ce que j'étais en train de voir, j'ai de l'eau dans mon seau. Ah, bah y'a de l'eau dans la cale. C'est con, on arrive. Je le tente pas. Ah bah tiens, je l'ai loupé. Ouais, j'ai vu. Ouh. Qui serait trop ouf à faire, c'est de réussir à avec ce coffre là sur la pointe, réussir à éperonner un autre bateau pile au moment où il pète. Au moment où ça pète. Effectivement, hein, ça peut être sympa, mais ouais, faut un timing de ouf. Ouais, j'avoue. J'y vais plein de balles. Hein. Ouais, je vais prendre le coffre. Je me gare comme dans Kung Fu Panda 4. Ah non, je vais être meilleur que... Sinon c'est quoi, vu qu'on est haut. On est au j'ai visé les barons, hein, de toute façon. Ouais, 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 ce que j'allais dire, vu qu'on est au baron, je vais juste monter, grappiner les deux coffres. Il est où le truc qui chiale? Je l'ai foutu sur le truc qui brûle. Et prends le... Sors le... Le grog. Attends, parce que... Je vide l'eau. Ok, je vends le coffre avant qu'il me pète à la gueule. Vas-y. Alors... C'est quoi la direction que... Ah non, je suis con, faut d'abord que je le fasse descendre. Je déteste cette merde. J'ai plus la... sorti le grog? Je l'ai dans les mains.
Ah Ah, et merde, du coup, oui. t'as fait Hop, et je me suis dit, parce que mon cerveau est très allumé ce soir aussi, Oui. je me suis dit bah, que j'allais faire toute la route à pied plutôt que d'utiliser le... Bref. Oui, plutôt que juste le sortir pour que je puisse le grappiner. À fait. Attends, parce qu'on a plein de trucs à vendre en fait. Livrer des machins au baron, 3 sur 25. Ouais, mais sauf que moi j'ai pas revu l'Apex d'Athéna, tu vois. Accomplissement quête obtenue. Attends, reste au baron, je te montre les trucs Merde. sur la... J'y retourne. sur le pont. Coffre du chagrin vendu. C'est ouf, j'ai plus le tonneau de grog, mais j'ai toujours l'impression que mon perso il est bourré. Ou c'est le Ah, bateau ça qui c'est tangue. Hein. dommage. Oui, Ou aussi, c'est mon possible. cerveau compile pas aujourd'hui. C'est trop possible aussi. Mais je veux pas placer des décorations, je veux. Quel con. Merci. Oui. Non, j'ai la hitbox du truc de décoration qui voulait pas prendre la caisse. J'ai pas compris. Ah, on vend le harpon aussi. Oui. Bon. Que c'est une Tiens. lance. Le harpon lance. En parlant de harpon, tu me l'as placé juste derrière le harpon. Ah merde, attends. Et là. Merci. Ouais. Ça sera mieux. Putain, on l'a fait vite. Bah oui, c'est du une. Non, ça c'était un. C'était un 3. C'est un 3? Je croyais qu'il m'avait affiché 1. Non, au niveau timer, le jeu il disait que c'était un 3. J'ai un voyage de légende, c'est 5, on aura le temps de faire ça. Bah, c'est celui où on se fait toujours buter par un mec en PVP avant la fin, donc on n'en sait rien. Probablement. Allez, C'est bon, t'as juste à j'arrive. voter, ouais. J'ai du mal, ouais. Je décale mes doigts sur le clavier, tout ça, tout ça. Attends, pourquoi tu tournes à gauche? Ah bah parce que tu lui as demandé hein. Bah non, j'avais remis la barre vers la droite, mais apparemment, je crois qu'on coule. Oui. Apparemment, j'avais oublié que j'avais fait un tour en plus de barre, quoi. Ah. C'est quoi là? Ouais, c'est un ennemi je crois sur la sur. C'est Je sais un plus compris. bateau. Ah, on va se faire attaquer. Non, il est long. C'est grave, on a rien dans les poches, donc limite. Bien grave. Et on coule. Alors, je suis en train de remplir de l'eau sous l'eau. Et sous l'eau, je vois l'eau remplie dans le tonneau. C'est de l'eau lourde, je suppose. Je suppose. C'est pas la même eau que l'eau de mer. Elle se mélange pas. Tu sais, comme C'est de l'eau non miscible. je sais plus trop où c'est, où il y a deux mers qui se touchent et qui se mélangent pas là. T'en as une à moitié Ah oui, parce marron qu'elles et ont. l'autre elle est bleu foncé. Oui, oh, sinon t'as tous les estuaires aussi où c'est très très drôle. Ah, c'est le bordel. Ça a beaucoup de mal à se mélanger l'eau douce et le salé. Mais oui, j'aime beaucoup le concept d'eau non miscible. Moi, je continue à dire qu'il devrait faire une update et qu'on puisse faire des combats de bateaux sous l'eau. Oui, moi je veux une update effectivement où on va péter des squelettes sous l'eau. Il y a une épave derrière nous. Je Ouais, sais pas je si ça fais faisait demi-tour partie du justement truc. du coup. Aucune idée parce que j'ai lu aucune des quêtes. On a Alors, nanana, Cannon Cove, Wanderer's 3 mètres Refuge. captés. Et Wanderer's Refuge. Donc rien avec des bateaux coulés quoi. Et carte, mais ça je crois que c'est le truc que j'ai chopé tout à l'heure. Ouais, la rouge, c'est le truc de tout à l'heure. Que Par j'ai contre, elle a... aucune idée de la gueule de l'île, je vais quand même la marquer au cas où on passe à côté. Non, on s'était pas à l'autre bout de la carte là en fait. Bah Pour oui, être donc. clair Ah avec bah c'est toi. pas très loin, c'est à Plunder Valley, je pense. Ouais. Genre, on Ouais. s'est TP pas loin. Pas si loin.
Oui, c'est complètement la Thunder Valley. Donc, si on va plus au sud, tu m'as dit l'autre c'était quoi? Wanderer's Refuge et Cannon Cove? Je sais pas, l'autre c'est une affaire. On est à Cannon Cove. Wanderer's Refuge c'est au sud. Et à la même distance que entre Cannon Cove et Wanderer's Refuge, il y a Plunder Valley. Je vais peut-être éteindre la lumière histoire qu'on soit pas trop repéré. Ben n'hésite pas. On saute là-dedans. Ouais, ça a rien à voir. Il y a déjà deux cas de What crado. The fuck? Attends, on fait la quête de quelqu'un d'autre là? C'est pas. L'épave du full île. Il n'y a pas grand chose dans la salle du capitaine. Voir, il n'y a que dalle. C'est... En plus, c'est même pas une épreuve standard, ça aussi. Bah, elle est coulée comme les autres. Après, j'avoue qu'elle a, elle a de la peinture un peu classieuse. Elle a de la peinture, elle a rien dans la salle du capitaine chef. Elle avait deux pauvres crânes là. J'en ai trouvé un autre. Un crâne croussé, je sais pas quoi là. Je vois pas de bateau nous arriver dessus. Okay. Là il y a une petite émeraude. C'est un saphir, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pareil, c'est un bijoute. Fais gaffe, il y a des requins. Ah, c'est pour ça que je sors pas du bateau. Il y a des requins dans la mer. Il y a une bulle d'air dans le bateau, je peux respirer dans le bateau, donc je profite. Oh là, j'ai un coffre de ouf et un crâne pas ouf. Un coffre de ouf? Un coffre de ouf des cendres. C'est les gros coffres avec les joyaux dessus. Bah, ça tombe bien qu'on est à côté d'une d'une ville, je pense qu'on va y aller direct les vendre, parce que je pense vraiment que c'est une épave d'une quête de quelqu'un que c'est pas nous. Oui, bah tiens, regarde, hop, chercher le crâne et on se casse, on va aller chercher le harpon. Que c'est une lance, mais maintenant que t'as dit que c'est un harpon, dans ma tête c'est un harpon. Ouais, bah c'est comme orange et violet, hein, mais C'est ça. Alors, je me noie, bon, ah oui, en plus il est rouge en plus. Ouais, c'est la version descendre du truc. Je sais même pas ce que ça fout là, on est à l'autre bout de la carte. Aucune putain d'idée. Hop. J'arrive avec le crâne, tu peux déjà partir d'ailleurs. J'ai juste à me remettre dans l'axe et à baisser la voilure. La voilure. Voilure. Ah oui, en plus il est... Couillère. C'est quoi, c'est Parméric qui est juste là? Oui. Ah par contre c'était la grosse merde des barons à Parméric, mais Oui, ils sont... De toute façon, Parméric, depuis qu'ils l'ont refait, je l'aime pas. Hein. Ah non, c'est pas Parméric, c'est l'autre. C'est Sanctuary. Attends, les barons... Ah, c'est Sanctuary. C'est pas Sanctuary qu'ils ont refait? Ou quand on avait commencé à jouer, c'était une île de clodo avec des tentes sur la plage et... Ouais, non mais c'est ça, c'est pas... Ah, quoique... Non, je crois que c'est Parméric qu'ils avaient refait. Ouais... Bah je préférais les clodos, ils étaient tous sur la plage, ils étaient tous au même endroit. C'est ça, là c'est un truc où t'as trois machins, c'est la galère, c'est jamais où tu es. Ah c'est très beau, hein, j'ai pas le contraire. J'allais dire, il y a un bateau derrière nous, c'est l'épave qu'on vient de looter, putain... Ah ouais, non, sérieux, c'est mort. C'est pas cette tour là, hein. Non, c'est l'autre qui est derrière. Ah, mais attends, mais non, mais il y a le chapiteau au-dessus là. Le chapipi, chapiteau. Je te laisse jeter l'ancre. Oh oui, j'ai probablement jamais le timing de ma vie, mais ok. C'est pas grave, je l'aurai pas non plus de toute façon. Fais à l'instant. Oula, trop tôt, trop tôt. Ouais. Mais j'ai préféré faire trop tôt et la rattraper. Vas-y. Oula. 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 Je balance tout sur le pont. Même pas le rythme. Au gras point. Au gras point. Au gras point. Ce soir dans l'épisode,
Personne Ah n'arrive oui, à parler. c'est ça. On pourrait faire genre c'est du patois normand et tout, alors que en fait. En Belle fait, part. rien du tout. Que dalle, c'est juste, on s'est pas causé. Ah, il est là. J'ai pas Wagon. l'angle avec celui-là, comme par hasard. Porc. Oh. Ah non, c'est bon, t'as quand même l'angle avec un. Ouais. C'est Encore tout? un. Non, il reste un crâne. Va tirer au même Je endroit. le vois pas. Ah, il brillait pas celui-là. Ouais, il brille goûté beaucoup moins. Putain, l'ascenseur il est en bas, du coup, et tout est déjà en bas. Magnifique. C'est beau. Tiens ton coffre, Justine. Ouais. Tiens. Achète ma Ah merde. merde. Ouais. On gagne des réputations de tout et n'importe quoi. Ouais, mais pas d'Athéna. Alors. Oui, c'est très possible, effectivement. Je vais faire un petit tour dans le menu, voir quand même si j'ai gagné un pixel ou pas. Non, je Quand on a pense vendu pas. les trucs tout à l'heure. Mais. Bon, j'ai tenu 12 fois la rambarde dans le. Ah, si, j'ai eu de l'appel du chasseur, what the fuck? Oui, je sais pas. Oui, c'est par là, en direction. Tout droit? Alors fallait, oui, maintenant c'est à gauche parce que fallait redresser. Ok. Il y a un moment, c'est 30 degrés à gauche. Ok. Je sors mon con, mon compas, mon rapporteur. Est-nord-est. En gros. Je vois, c'est la grosse île tout là-bas. C'est Canon Cove. Canon Cove, c'est l'énigme écrite ou c'est le tuage de bestioles? C'est tuer trois mecs. Bon. Je voulais faire un truc, mais j'ai absolument complètement oublié quoi. C'est que c'était pas important. Alors déjà, je vais me vider les poches. Un peu comme les impôts. Ouais, on a pourtant les impôts. De toute façon, moi cette année, les impôts, c'est allé vite. Hein. Vous avez de l'argent? Non. Bon, bah, voilà, c'est fait. Remarque, maintenant ça va super vite. Ça. Tu te connectes et bah, votre employeur il a dit que vous aviez gagné ça. Ah Ok. oui, mais ça se passe quand t'es salarié, toi. Non, non, moi avant c'était. Quand t'es à ton compte, c'est pas la même salade. C'était en C'est. Irlande, c'était pareil en Irlande. Ils te prélevaient à la source et au bout d'un an, tu pouvais faire une réclamation si tu avais trop prélevé pour qu'ils te remboursent une partie. Chose que j'ai jamais faite parce que la flemme. Du serpent? Hein? Tu veux du serpent? Ah, merci. Parce que bon. Choper un filon de poulet, un bout de serpent. Les gens ils Et je étaient te là laisse en quoi. mode ouais mais si tu le fais ils vont te rendre quoi 100 balles 200 balles je Waouh! dirais Tu veux me dire que j'ai passé 4 heures à faire ça pour gagner 100 balles? Bon. Vous connaissez pas mon Moi je. niveau de flemme et mon rythme de vie messieurs dames hein, parce que Oui. moi pour 100 balles je fais rien du tout hein. Ah, moi, ça dépend combien de temps je passe, hein. Mais bon, maintenant, bon, il me dit. J'ai pas d'argent. Mais moi, à l'époque, c'était je sais plus qui, la Oh dernière la fois que j'ai. perfection. Oui, bon, jamais ressortira, mais. Si parce que le bateau il est en train de vivre sa vie là. Ah. Donc je vais juste remonter les voiles, il devrait se décoincer tout seul. Et ouais, je sais plus quel client me disait. Ouais, mais tu vois, si tu fais ça sur tes impôts, machin, tu calcules ça et machin, tu peux gagner 30 balles. Et j'étais là, alors attends, passer 3 heures pour gagner 30 balles. Mais Mmh. mec, je bosse à 35 euros de l'heure. Tu crois vraiment que je vais passer 3 heures pour gagner 30 balles? Non, mais il y a des gens ingrats. Et grand bien leur fasse. Moi, j'ai pas de problème de sous. Pas besoin de Oui, c'est galérer devenu pour. compliqué, mais je suis comme toi, moi je dépense que dalle.
Je te dis là, il y a des entretiens annuels. Mais qui me tire dessus? On est en train de discuter là, toi, t'as fermé ta gueule, il meurt. Il y a des entretiens annuels où ils parlent des augmentations de rémunération et tout. À chaque fois, la première question c'est tu sais combien tu gagnes? J'ai moi à chaque fois je réponds non, je m'en bats les couilles. Je m'en bats Je les m'en couilles. tape très 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 Je fort. sais que je gagne largement plus que ce que je dépense. J'ai même pas ce besoin de savoir combien je gagne. J'ai tout en prélèvement automatique. C'est pareil, les gens ils me Mais disent jamais je l'ai touché. combien tu payes Bon, d'électricité ou d'eau? suicide. Aucune idée. Ah ouais. Bah l'autre bidon explosif, je le mets en haut. On a eu un chef. Enfin, Bah, j'ai sauté dans le. j'ai eu un truc T'as. validé tuage avec des tonneaux, je crois. Ah, possible, parce que j'ai sauté dans le tas, il y avait deux tonneaux et je sais pas combien de squelettes. Ah, tu les as tous eus sauf un. Apparemment. Bon, la statue qui fait du bruit là, elle est où? Ah, je sais pas, je suis dans le monde du passeur. Allez, on s'est garé pile au-dessus et c'est une rouge. Ouf, Faut une de la rouge. nourriture. Ouais, faut de la bûche. On a plein de la bûche d'ailleurs. Ah, surtout de la banane, hein, pas être méchant, mais. Bah, Pas ce que j'ai trouvé le plus en fait, la bûche. la banane. Et la banane, Oh et la non, mon Dieu. banane. Je me souviens pas ce que c'est ce truc-là. Je sais que Ben. ça avait été repris par Coca-Cola Vanille pour faire une pub. Exactement, je me dis, ça doit être. Est-ce que je me souviens d'une pub, mais je me souviens pas si c'était une vraie chanson qui avait été utilisée par la pub. Non, à l'origine, c'est une vraie chanson J'ai qui est commencé à très taper vieille dessus. qui a été reprise je sais pas combien de fois. C'est Attends, moi ça ou y est, ils ont c'est baissé passé. le niveau des dégâts? Je sais pas, ouais, j'ai Chaud. l'impression qu'on prend moins cher. Hein. Ouais, la chimie vie elle va exploser. What the fuck? Bon, 3. Ou c'est parce que les derniers qu'on a pris ils étaient tellement en bas sous l'eau qu'on devait remonter pour pas se noyer? Non, non, pas spécialement. Non, je crois qu'ils ont baissé un peu le niveau de dégâts de ces trucs-là, parce que c'était vraiment à deux, fallait manger, se relayer et tout. Alors que là, j'ai pas Ouais. touché ma bouffe, ouais, Moi clairement. non plus. Ah, hein, les jeunes, ils connaîtront pas la dure. La dure réalité. Tout à fait, les nouvelles générations sont vraiment surprotégées maintenant. Hein. Ah, moi, ce qui me Voilà. fait marrer, c'est les Mario. Quoi, les Mario? Bah, les Mario, à notre époque, jamais un môme n'en finissait un. C'était impossible. Bah, il n'y avait pas que Mario, hein. Oui, il n'y avait pas que Mario, mais. Si tu parles d'un jeu que tout le monde avait à l'époque, bon. Ouais, mais on était trop jeunes, Renaud. Je te rappelle qu'on a fait le 3 sur émulateur et qu'on l'a fini. Oui, en ayant 25 ans et en ayant galéré, oui, bah oui. Mais pas en ayant Ah, il y 12 a re un ans. truc explosif là. Oui, rien de trop. Ça doit être les Bah attends, j'allume. Jean-Michel qu'on est venu buter. Tiens. Oula. Le problème c'est que c'est des feuilles et que les feuilles ils bougent vite. Oui. Bon, on a eu un quand même, mais. Allez les mecs, on sort du sol. Alors ça c'est dommage les gars, il fait pas nuit. Bah ouais, ils auraient dû faire les mêmes en blanc. Ou quand c'est Ah de ou le. Quand c'est de jour, ah ouais, mais il n'y a pas de lampe anti-jour. Oui, il y a oui, de la non-lumière. Ah merde, des dorés. Voilà. Ah, Pas de GG. problème. Mais t'as eu que la moitié du clan. Merde. Merde, c'est R pour Thérèse et pas E. Parce que mettre la même Ouais. touche sur tout, c'est compliqué. Ah, je voulais les regrouper avec le tonneau dans les mains, mais en fait j'ai pas eu le temps, ils m'ont tapé dessus. Ça, on a une partie. Je crois que j'ai. Il y a un coursier pour prendre la bouffe? Ah, c'était celui-là. Et trois pour prendre la bouffe, c'était un Tiens, circuit. headshot. Tiens, toi aussi. Ah non, raté. Ah, j'ai un caillou entre toi et moi.
plante. C'est quoi ça, c'est de la plantasse. Par contre, t'es sûr que c'est eux? Parce que pour moi, j'avais des croix rouges sur la carte. Non, ça c'est à Plunder Valley. C'est probablement le truc que j'ai ramassé à l'arrache. Ah, c'est la quête rouge, ok. Je pensais qu'on était sur la. Oh. Toi, t'as popé au bon endroit, toi. Oh, ouais, puis les trois ont popé en même temps. Ouais. C'est trois plantasses. Ah, ou enfin, je dis ça, mais. Ils sont pas si mal. Ah, par contre, j'ai arrêté de m'éjecter, les mecs. Oh, joli sapo. Oh. C'était beau. Ah, le lavabo. Un violet machin, et cela il donne de la répute de machin. De mémoire. De la répute de machin. De machin chose, truc, répute, bidule. Bah, le bateau il s'est pas débloqué. Hein. Hop, chercher le troisième, j'ai posé un sur le bout dehors à l'arrache. Ouais. Bah, moi je vais les mettre en ah dedans. Mince. J'avais retrouvé l'autre nom du bout dehors et j'ai oublié. Le bout dedans? Non, le... c'est un mât de. De bout en train? C'est un mât de vergue? Non, je sais plus. Non, c'est pas un mât de vergue, c'est un mât de. Oh, oublié. Telo. Alors. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que personne n'est d'accord sur comment ça s'écrit le bout dehors. Après, c'est important. T'avais mis un rond sur les deux autres. Ah, mais ils sont au sud. Vie. Elles sont au sud. De ouais. Là, ouais. J'ai regardé au nord, en fait. Ah, au nord doit pas y avoir grand chose. Bah, c'est pour ça que je t'ai posé la question. T'as vu les ronds au nord, j'ai fait. T'as mis les ronds? Oui, ils sont au sud. Ah oui. Mais. Oula. On va avoir le vent de face, comme d'hab. Oui, j'allais dire, c'est bizarre comme orientation de voile. Ah, et puis de face. Quoi. Bah, c'est bien l'île derrière le caillou, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, il y a de grandes chances. Remater la carte, mais ouais. Il y a la tempête. Alors, tu pourras tourner un petit peu plus vraiment au sud. Ouais, mais je là. On aura contourné le caillou. Je peux forcer un peu, mais je suis pas sûr que ça nous gonfle. Hein. Ah, si, un tout petit peu la voile. Hein. Ouais, c'est juste histoire de dire. C'est ça. Oh, faut que j'arrête de faire A. C'est quel jeu auquel on a joué où on switch les armes sur A? Bah, on n'a pas fait 15 000 jeux récemment. On a fait que du Pit People. Ah, non, on a fait Vermintide. De ah, Vermin. Switch d'armes sur A. Alors j'arrête pas. J'arrête pas d'appuyer sur A. C'est pas alloué, il se passe que dalle. Ah, c'est pire que pas alloué en fait. C'est alloué à ranger son arme, mais pas à la sortir. C'est-à-dire que quand t'as une arme et que tu fais A, tu ranges ton arme. Ouais, moi je l'ai mis sur X pour ranger. Et sur A, c'est ma roue des. C'est ma roue des items. Bah. Moi aussi, si je la laisse appuyer, mais quand j'appuie juste sur A, du coup, ça doit être genre prendre l'objet de quête ou un truc comme ça. Ah oui, là, on a t'as raison. Si, moi, ça me met la Wanderer's Refuge. Ou c'est peut-être la dernière quête que t'as sélectionnée. Non, ouais, pas. Si, c'est ça. Moi, si tu vas dans les quêtes et que tu prends la carte, et qu'ensuite tu dégaines ton arme et que tu fais A, moi, ça me ressort la carte. Non, moi pas. Je suis faire un tour dans les privilégiés. Fallait faire dans quoi la flotte à gauche, non? Quoi? Ah oui. Ah. Ah. Bah t'as gueule. Ouais, mais attends, on est à 2 mètres de l'île, il se fout de ma gueule. Oui. Oula. Oula. Bien ce tonneau. C'est quoi? 17 planches, 23 boulets. Mais du coup, je vais pas le vider à la main. Attends, parce que. Je comprends pas, on a une musique, personne a popé.
Bah non, parce qu'à mon avis, on était trop près de l'île. Je les ai jamais dérangés. Il s'est lancé, il a fait. Si, si, la musique est revenue là. Ah. Moi je m'arrête, hein. Ah oui, si. Bah, il doit être sous l'île. Allez. Je te laisse veiller, je vais dans l'île. Ouais, veille, je te lis la fable. Sur Wanderer's Refuge. Ah ouais, mais si je vais pas sur l'île. Ah. 51 sur 74. Si je vais pas sur l'île, j'ai pas la suite. Cherchez les trois tunnels rocheux sud-ouest. Sud-ouest, on est arrivé par le nord. Donc, sud-ouest, tunnel rocheux, lever sa lanterne, indice. Oula, c'est quoi cette lagouille? Alors là, il y a sûrement les 40 millions de joueurs. Non, il avait toujours tendance à freeze des frames ce jeu. Je oui, on le sait. Non, mais j'ai dit ça pour rigoler. Ah. Ah. Voilà, c'est vraiment loin les tunnels sud-ouest parce qu'on est genre de l'autre côté de l'île. Oui, j'ai dit on est arrivé au nord. Mais j'ai oublié qu'elle était aussi grande cette île. En fait. Elle est tout en longueur en plus. Je vais venir en bateau. Vas-y, vas-y, fais ta plaisir. En plus, t'as dit que ça arrête plus, tu sais. Non, mais il doit attendre. Je sais pas. Je pense qu'il est sous l'île, sous la carte, en vrai. Alors, un indice se révèle à ceux qui lèvent leur lanterne. Ouais, ah. Il y a un truc qui brilloute, mais c'est pas un indice qui se révèle à ceux qui. Machin, c'est un coffre d'aventurier sans vrai. Ça y est, c'est fini. Ouais. Alors j'ai pas trouvé du coup le truc de la quête, mais j'ai quand même un cadeau pour toi. Vas-y, vas-y, je le chope au vol, je le chope au vol. Alors, sans me choper, ça va être dur, mais... Oh, putain. Oui. Oh, joli. Attends, on va faire que je freine, j'ai arrivé sur la plage. Oui, alors... sud-ouest. Je suis bien au sud-ouest ou pas du tout? Il y a une chaloupe. C'est une soirée chloupe. Yep. Alors, sud-ouest tunnel, je pense y être. Bah, lève ta lampe torche, tu le sauras tout de suite. Les trois tunnels rocheux. Il est pas si étroit. Lanterne. Alors, peut-être qu'il y a un autre tunnel rocheux, genre plus étroit. Fuck. J'ai déjà levé ma lanterne tout du long. Et il s'est passé que dalle. Bah. C'était quel bouton pour aspirer là? Bien là, non. Ils ont rebugué le grappin ou quoi? Ah, il reclique droit plus, il reclique droit plus. Ouais, c'est parce que j'avais l'angle de baisser, mais non, normalement ils sont là. Normalement ils sont à plus. Hop, tiens, on va ça au passage. Quoi, y'a que des trucs volcaniques alors qu'on n'est pas du tout du côté. Je sais pas, moi par contre je trouve des milliards de trucs dont on a rien à foutre, mais je trouve des milliards de trucs. Cool. C'est pas du tout ce qu'on cherche. C'est quoi? Oh, des munitions, ce n'est que la quatrième caisse. On a au moins, looté autant que de chaloupes. Bah tiens, on va faire aussi dans l'originalité avec l'autre caisse là. Quoi? J'ai tardé à reposer une sur la plage. Faut que tu reviennes en chloupe parce qu'elle a un canon. Voilà. Quoi? Fantôme! Oh. J'ai encore fait A, j'ai pris la quête, c'est pas ce que je voulais. Je sais pas pourquoi maintenant ça me la donne. Une quête? L'objet de quête. Quoi? Hein? L'objet de quête dans mes mains au lieu de changer d'arme. Ah, ce que je disais tout à l'heure en fait. Oui, mais maintenant ça me la donne quand je fais A, je sais pas pourquoi. Ah non, ça me. What? En fait, ça me fait cycler entre la boussole et l'objet de quête. Ah. Ah, j'ai un. Tonneau de boulet. Et j'ai un mec bizarre sur la plage Houillette. Bonjour, ouais, moi bon monsieur. Dans mon putain de tunnel, comment allez-vous, X? Mais... Ça va bien, X? Vous avez l'air tout aussi réveillé que nous, en tout cas. Il n'a pas envie de se défendre. Hein.
clair, ouais. C'est. Waouh! C'était. Ce tunnel là, du coup. C'était waouh! C'était compliqué. Ouais, c'était quoi, t'as. Un t'as un truc. Bah, justement, là, la croix rouge, elle est au niveau de l'étroit tunnel, normalement. Ah. Alors, super, j'ai rien vu. Dans mon étroit tunnel, là. Parce que sud-ouest étroit tunnel, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre que ça. Bah, déterre le coffre, de toute façon. Ouais. Un peu plus sur la plage. Genre de l'autre côté de ce caillou. Donc. Longtemps que je m'étais pas fait attaquer par des skulls. Par contre, sérieusement, pourquoi c'est des skulls de cendres? Qu'est-ce que vous branlez là? Bah, c'est la quête du mec que je viens de tuer en fait. Ah, et c'était lui aussi un mec des cendres. Il y avait une clé des cendres à côté du coffre des cendres. Non, il y avait une clé des cendres sur clé, le mec. Ah, mais c'était un gardien des cendres que t'as buté, d'accord. Oui, je dis, je comprends rien. Ils ont infesté la totalité de la planète. Alors tu peux en trouver à l'arrache dans les îles, mais t'as genre 1% de chance en fait. C'est quoi ça? Une bourse de doublon? C'est le truc... Ah merde, c'est le truc bleu. Tome ouais, de feu 4, je sais pas si on l'a. J'ai aucune idée. Tiens, bah là, toi partout avec ta lanterne ici aussi, pour essayer d'avoir le... Ah, bah va charger les... Va charger les coffres, je vais... Parce que j'arrive pas au niveau de l'énigme à avancer de quoi que ce soit. Attends, déjà. Sud-ouest. Oui, y a pas le choix. C'est. Bah, étroit tunnel au sud-ouest. J'ai trouvé un autre tunnel, mais qui était pas étroit et qui était pas au sud-ouest. Donc, au bout d'un moment. Ouais. Est-ce qu'ils disent qu'il faut aller dedans ou aller au-dessus, en dessous? De le trouver à la sortie et d'allumer ta loupiote et de la lever. Faut peut-être bourriner sur le clic. Je peux pas te dire. Ah, c'est bon, j'ai validé. Ah, tu l'as eu. J'ai eu le pixel. Ouais, c'est toujours chiant ce truc là. C'est toujours un vieux pixel. Cherche la cloche de guet au point culminant de l'île. Bon bah une cloche de guet. De guet comme guetter. Oui. Il y a un passage à guet avec une cloche, c'est quoi cette connerie? Ah, je pensais que t'aurais pensé à des homosexuels. Ah non, même pas. Pas tenu vraiment pour avoir des cloches les guets, enfin pas de ce que je sache. Je sais pas, chacun son trip hein, après. Ah oui. Faut que je fasse quoi? Ça me dit rien quoi. Point qui m'en... Ça me rappelle que dans là j'ai la cloche. Ok, faut faire quoi? Faut dinguer. Je pose. Vers la cloche du point culminant, l'aide vous devez vous hâter. Mais gare à vous. Ah, la mesure c'est que je dois faire une musique. Voilà. J'ai été très intelligent. Trouvez le pilleur de tombe au sud-est et joignez la danse élémentaire. Quoi? Alors, doit y avoir un cadavre de mec avec une pelle sur mon près de toi. Yep, je redescends ce truc là, je regarde si on se fait pas attaquer par je sais pas quoi. Je vois personne. Je vois absolument personne. Donc, pilleur de tombe sud-ouest. Alors, sud-ouest, c'est là. Sud-est. Là. Ah, sud-est. Là où est le bateau. C'est encore plus proche de moi, ouais. Ouais. Ah, mais donne-moi ma. What? Maintenant, ça me prend ma bouffe, le A. En fait, je crois que c'est avec le dernier objet utilisé tout court, en fait. Ça doit être ça. Ce que tu veux, toi, tu meurs. Dans les maisons détruites. Sud-est, bah ouais.
Un Faut que pilleur je de relise le truc parce tombe. que j'ai déjà oublié tout ce qui est mis à pire de tombe. Un pilleur de tombe sud-est, joignez la danse élémentaire. Ah, ce serait pas ça là? Non, j'ai mis une petite lampe. La danse élémentaire 2, ça veut rien dire. Comptez cette passe sud et retournez la terre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est la fin en Je fait. pense que la danse élémentaire c'est jouer je sais Ah pas non, quoi. y a plus rien à débloquer dans l'énigme. C'est on trouve le squelette, on fait 7 pas et. Alors, sud-est. Qu'est-ce que. Ah, 7 pas au sud. Oh non! J'ai trouvé la terre. Je. Ouh. Tu es mort, tu quoi? Oh non, j'ai failli. Bonjour. Bonjour. J'ai failli rester bloqué. Ah, tu volais à l'infini. Tu tombais à l'infini. Je tombais et touchais le sol à l'infini. Ouais, c'était dégueulasse. Rappelle-toi qu'une fois en haut d'un cocotier, il a fallu que vous me m'acheviez. Parce que le jeu a décidé de ne pas me TP comme il le fait d'habitude. On est peut-être trop au sud là. Je sais pas, là j'ai un camp. Est-ce que la danse élémentaire c'est le truc qui fait de la bouffe? Sud, Parce que 7 là, du pas. coup, on est au sud-est, mais on est tellement au sud-est qu'on est très 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 au sud-est, quoi. Alors, on va relire le truc. Trouver le pilleur de tombe. Bon, de toute façon, tant qu'on n'aura pas le pilleur de tombe. Ouais, c'est ça. Je vais monter un peu plus haut, c'est peut-être moins au sud-est que ce à quoi on peut s'attendre. T'as un caillou. C'est un tabouret. Le pilleur de tombe au sud-est. Ça se trouve, c'est une peinture aussi. Ah, peut-être, oui. Si je m'approche d'un puits et je m'aperçois enfin, que t'as un bras squelettique qui sort du puits en mode ah j'ai quoi ici? J'ai. Ouais. J'ai des ruines. Mais y a pas spécialement de pilleur de tombe. Là, j'ai une table pour une autre quête. J'ai une cagette. Voir sur la falaise au-dessus de toi. Ah bah, t'es en train d'y aller. Ouais, j'étais à côté. Bonjour. Chou. Comment ça va? Ça va. Il y a un peu trop de serpents. Moi, pas voir pire tombe. Hein. Paf! Paf, Paf je l'ai quoi? Paf le tué. chien? Paf, le Paf le serpent. serpent? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un Ah, j'ai des bateau. tombes là. C'est un bateau squelette. Ah. Ah. J'ai des tombes avec un mec et une pelle. Ah, oh, bah, Pas ça bien serait là. bien ça, ouais. 7 pas au sud. On prend une pelle, on creuse et ça fait tombe. Voilà. Aïe! J'ai éjecté. Il t'a fait un coup chargé. Creuser bordel. Attends, c'était la quête principale, ça? On a eu un vieux coffre tout nul? Ah non, il y a des trucs Bah dedans. avec trois reliques d'Athéna Ouais. qui donnent de la réputation d'Athéna. Donc moi ça me va, je sais ce qu'on voulait faire en fait. Ouais. Je crois qu'on me pop dessus.
Oui, t'arrêtes surtout pas. J'ai entendu un pchit, mais c'était pas un serpent? C'était pas un serpent. Non. Attends, comment? T'es mort en plein Non, je suis vol? sur le bateau avant toi. Ah, je voulais essayer de venir. Oh merde, je crois que j'ai Oh, posé. j'étais mort entre deux rochers en hauteur. Non, 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 de toute façon, j'ai libéré. Que tu fasses tout le tour de l'île pour retomber sur le rocher. Même pas en rêve. J'avais oublié, j'avais mal. Non, c'est comme ça, quand je reviens du kiné. Tu bouges parce que tu oublies que t'as mal. Et si tu veux qu'on retourne encore au sud, il y a Plunder Valley. Bah, de toute Avec les façon. trois trucs à déterrer qui n'ont rien à voir, mais on est juste à côté. Comment ça, qui a rien à voir? Bah, si, c'est partie Moi, de la je pense quête. que c'est juste une quête que j'avais trouvée à l'arrache dans un Non, donjon. c'est Non, même pas. une quête jaune. Le petit lobe Ah, jaune. alors c'était C'est l'autre les qu'on a fait piratines avant. que j'avais trouvées à Ouais, l'arrache. c'est ça. Bah, c'est le sud, hein. Ah, je suis déjà à fond sur la voile. Bon, ça doit être ça, hein, en face, c'est une île qui est ronde, en gros. Et du coup, on sera plus très loin de l'avant-poste Plunder. Hop, mettre la carte d'une façon pas trop dégueulasse. J'ai de la mune. Boivons un coup. J'ai Soda re agrume dégueulasse, mais que l'avantage c'est que ça fait 4 calories pour 20 litres. Pas être chimique du tout. À peine. Oh, j'exagère un peu. Ça fait 30 calories pour 100 millilitres. C'est bon. Ça va quoi. Mouette sur la gauche. Je vois rien, il y a une vague. Enfin, je crois que Ouais, c'est une de même. épave et elle doit être bien au fond. Oui, parce que là. Rien vu mon capitaine. Alors, on arrive par le nord. Ya. Et eh bah, ben, si tu veux, tu pars à gauche pour te garer devant l'épave de bateau. Tu seras proche de deux et moi je vais aller au nord sur la plage chercher le troisième qui est pas du tout dans le même coin. Ok. Et quand tu tourneras à gauche, je me canonnerai vers la plage. Oula. Je vais pas partir à gauche. Mais c'est qu'on se traîne la bite en fait. Donc on n'est pas arrivé en Alors fait. l'autre gauche parce que là tu pars à droite. Non mais je sais très bien où je vais. Mais Ah. je te dis, on est loin. Et Oula. puis quand je vais tourner, je rends plus le vent de face. Ah. Bah, t'as eu un. T'as eu quoi? Un trident? J'avais une bouteille de sirène. Ah. Que je n'ai pas prise du coup. Ouais, même là, je pense qu'on est. Je suis super long en fait. Et l'autre bouton. Vas-y. Ouh là là, falaise. Ah non. Impeccable, je suis à moitié pété les jambes, mais. J'allais dire, t'es arrivé dans l'eau, t'as pas dû prendre, mais en fait, si, du coup. Ah, je suis arrivé dans l'eau, dans 3 cm d'eau. Ah, Hein. les enculés. Ah, ils t'ont bourré. Ah ouais, il est à 2 cm de. Bon, bah, Pourquoi j'ai une musique bizarre? non mais ça va peut-être aller les jambes là. Parce que je suis en train de combattre contre des squelettes je suppose. Je sais pas. J'ai eu un talin. Moi j'ai eu un Ouah, tu te tapes. tout mignon. Je me suis dit what the fuck. Ah.
Non, moi j'ai eu un truc un peu lugubre en mode du combat des skulls. Alors le raccourci pour l'appel. Ah! Non, mais ça quoi, campe ça sur la plage, sérieux? Ah, c'est pas un joueur. J'ai eu pas. Le mec, il est au ras la plage. Avec son canon, il t'allume. Ouais. Ma peinture, quoi. Ouais, c'est pas comme si. Et merde, j'ai remis plus d'eau dans la cale parce que j'avais pas vidé mon seau. Ah, dommage. Oula, petit lagouille. Petit lagouille. Alors j'ai vu un truc briller, c'était où? Et je me suis pété les jambes, c'est pas grave. Emmener une caisse de boulets de canne. Jamais, jamais. Oh, on en a une, mais fuck. Ça dépend où faut l'amener. Oh non, il y a deux vines. Il y a deux vines. Non. Une chaloupe. Eh oui, il y a une chaloupe. Oula, alors l'autre, ça va être genre là-bas. Il y a une chaloupe, et tu devineras jamais, mais elle a pas la même couleur que toutes les oui, autres qu'on a croisées. Aujourd'hui, on va voir toutes les couleurs en une fois. Oh non, mais pas ça à la cale, toi. Attends, parce qu'il y a un petit patch d'herbe, il est où le petit patch d'herbe? Ah, moi je suis là, ok, donc le petit patch d'herbe il doit être là. Ça. Donc. Qu'est-ce que ça fout là, ça? J'ai une caisse de voyage légendaire d'Athéna qui était posée sur la plage. C'est toi qui l'as ramenée? Parce que je l'y ai posée. Ok. Oui, oui, je suis arrivé dans ton cul et j'ai passé. Tu sais, je joue un truc hybride, je reviens sur la pêche. Qu'est-ce que ça fout là? Hop, je te pose un calice au même endroit. T'as tué un. Un squelette? Non, j'ai tué 25 squelettes. Parce que je jouais, il y a un truc qui brillait dans la pente. Ok. Donc, so the last one, where is it? The last one is à l'étage d'au-dessus. Ouais. Ah, l'étage d'encore au-dessus. Ok. Je monte là-bas. Ah, j'ai cru voir un chest dans le coin. Il y avait une boîte fourre-tout sur la plage où je suis arrivé, où il y avait la caisse légendaire d'Athéna, mais c'est de l'autre côté de l'île, j'ai pas pu m'y retourner. Non, mais t'as raison. Hein. Alors, on n'a pas besoin. Ici, il y a ça. Là, il y a ça, donc ça doit être vaguement là. Bon, j'ai rêvé, donc... mais il n'y a rien qui brille. Là, on devrait avoir de l'Apex du coup, parce qu'on a fini la quête d'Athéna. Ouais, puis c'est vraiment des objets d'Athéna cette fois-ci, c'est pas des trucs dont on a pas grand chose à foutre. Dernier chapitre. C'est quoi, il y a encore un bout de quête? Bah je te propose de passer à n'importe quel avant-poste plus proche pour déposer nos merdes. Ah ouais, regarde, ça nous a refilé une quête. Parce que là, les deux caisses plus le coffre plein ras la gueule de reliques plus la relique toute seule, j'ai pas envie de les perdre. Ouais. Mais le truc c'est coup de grappin éventuellement. Faut aller à voilà. Discovery Ridge qui est pas loin. C'est ah. Oh, c'est Discovery Ridge. C'est pas loin. Je veux dire c'est quasiment devant nous en fait. Oh, ok, c'est juste à côté. Même pas ce qu'il faut faire dessus. Avec ma pelle, moi. Alors. Une caisse de boulets de canon à Plunder. Bon, c'est l'avant-poste juste à côté, mais ok. Tu me dis, je Et suis dans l'axe là canon. Alors.
encore plus à l'ouest. C'est quasiment complètement à l'ouest. C'est l'ouest. Ok, bah je la vois. Je crois que faudrait arriver par l'est, donc c'est très bien. C'est le gros bousin là. Oui. Alors, je te dis oui parce que je vois une seule île et c'est celle qui est alignée avec nous. Ok, et il faut faire quoi? Il faut déterrer une merde. Oh merde, ça va être tout en haut. Oui, ça par contre, il y a des chances. Ah, j'ai même pas vidé ce tonneau que j'avais ramassé. Ah bah, il y a trois merdes. Pardon. Bon, on se fait canonner forcément. Celui qui avait à l'aller. Ouh, la chaloupe, elle a failli. Ouais. J'allais dire aucune chance, et puis après j'ai regardé la trajectoire et fait je vais peut-être fermer ma gueule. Tu as bien fait, sinon on l'aurait mangé. Hein. Probablement. Et ah oui, par contre, il n'y a pas moyen de zoomer cette carte-là, non. Alors, faudrait monter par le nord-est, si j'ai tout compris la carte. Donc, faudrait aller un peu plus à droite. Oui. Genre, bah, par la seule plage qu'il y a là, en fait. La plage Ouillette. Ça aurait été une soirée soirée peinard. Hein. On a vu personne, c'est rare. C'est tant mieux. J'allais lire un petit coup d'encre peut-être, histoire de pas manger. Oula. Oula. Ah, j'allais faire mon charge au sabre, mais. Et partir en ville. Bon, toc, toc, toc. En vrai, Plunder est plus près. Hein. Bah, normalement, c'est ce qu'il y aura 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'il y aura de plus près. 1, 2, 3, 4. C'est kiff-kiff bourricot. Et en vrai, faudrait peut-être mieux qu'on aille au nord. Ça va dépendre du vent, voilà. Hein? Quoi? Ça va être la misère pour comprendre où je suis sur la carte. Mais non, t'es dans les arbres. Donc ça c'est ça. Tu t'es pas loin. T'es pas loin. T'es pas loin, je pense. Ça. Je dirais par rapport au trou dans le sable, je dirais que c'est là en fait. Merde, c'est pas très précis. Vers là où je regarde. Là. Ouais, genre là, vers cet arbre là. Ah donc. Tu avais raison. C'est un gros coffre d'Athéna. Il faut 74 millions de coups de. Oh, bah, si t'as pas de pop de squelette. Alors si on va à l'est. Pour une fois non. Si on va au nord. Eh ben direction. Il y a l'eau, là. La musique s'énerve, j'ai rien entendu. J'ai dit il y a de l'eau là, j'ai sauté, il y avait pas de l'eau. Ah, c'est souvent ce qui arrive à des gens et quand ils sautent d'un pont avec une rivière en dessous. Oui, joli mon coffre. Oui, joli ton coffre. Oh, on a eu un pixel de pex, tiens. Ah, oh. Le pixel de pex. Le pixel. Sud-est de mémoire. Ouais, même plutôt est que sud-est, effectivement. Oui, bah, en gros, tout droit, très légèrement plus au sud. Ouais, bah, ce sera tout droit et on verra si on doit corriger par rapport à la distance. Ouais, il y a une île de merde entre nous. Ouais. En tout cas, on a plus de vent que si on allait au nord. Oui. N'empêche, ce bateau, je l'avais design bling bling, hein, la vache. On peut suder un peu plus.
Ouais, je vois l'arche. Vie. Je sais même pas ce que c'est ça comme comme livret. Tabon, tout ça. Je me rappelle pas de qui c'est. Peut-être la livrée de la saison, non? De quoi? Le bateau. C'est pas la livrée de la saison? Non. Oh, il nous retire dessus. Ouais, alors là, s'il nous touche, mon gars. Non. On va le prendre, on va le prendre. Ah non. Ah non, je pensais que j'avais mis la coque avec la peinture dragon, mais non. J'ai aucune idée de ce que c'est, du coup. Je vais voir dans le truc de la saison si c'est pas ça, des fois. Si, c'est la coque de la saison, c'est ça. Quoi? Bah, la coque, au moins la peinture de la coque, c'est la peinture de la saison. Après, les canons, j'en sais rien. La voile, c'est la voile de la saison. Tu vois ça où? Bah, dans le truc de la saison. Ah oui! C'est là aussi, qui est 99 sur 100. Ah oui, cette coque-là, en effet. Donc, toi, t'as fait le bateau de la saison, moi, j'ai fait le perso de la saison. Parce que, à part la coque, je vois pas le reste pour l'instant. Il y avait la voile. 36. Ouais, je suis dans les 40 là. Ça, en effet, 36. Les canons, ça a pas l'air d'être ceux-là par contre. Non, en effet. Parce qu'il n'y a pas de canon. Il y a si, le. Il y en a en 60, mais il n'est pas celle gueule là. Il y a le petit fanion, je l'ai mis. Ouais, c'est le fanion de la saison. Merde, c'est une île qu'on s'emballait. Ah, ah, je t'en menu. On va taper. On va taper. Tu sais, on est dans un peu plus. Je continue à regarder la saison et c'est pas passé loin. Continue à regarder la saison, oui. On aura entendu. Ça n'a pas été la première fois. Tout droit. Ouais, enfin, le truc que tu vois, c'est plein d'air. C'est ça. Et donc ouais les canons en 60 c'est pas cela apparemment. Canon en 60. En effet ils sont bien moches d'ailleurs. Bah après c'est toujours le problème tu sais d'avoir une vieille icône à l'arrache. Non non mais si tu cliques dessus t'as une... Ah t'as un aperçu plus grand. Bah j'ai jamais fait ça. Oui, c'est plus grand. Pourquoi ils ont mis des roues? Pourquoi ils ont mis des roues? Des grosses roues? Oui, bon, déjà les roues sur. Oh. Attends, c'est quoi ça? On a raté deux coffres, je crois. Ah. Où ça? Comment? C'est de la merde, les deux. Ok. Il y avait un coffre du. C'est pas du chasseur, mais un. Un coffre jaune là de mec de l'or là. Ah oui. Et une boîte d'épices, je pense c'était de la soie. Le liseré rouge, je sais plus ce que c'est. C'est épice exotique, je crois. On en a une dans la cale, mais alors. Soie exotique. Non, je sais plus. Comment ça fout des trucs sur le pont en fait, moi si j'ai. De souvenir, il n'y avait pas trop de fond là ici. Bonne question. Mes souvenirs étaient justes. Mes souvenirs étaient bons. Alors, de la planche, du bouchage. Le bien, c'est que ça a pété à gauche. Je vois pas pourquoi. Mais... Ouais, il y a des fois, je sais pas non plus, parce que j'ai bien frotté à droite. Hein. Après, la torsion d'une coque en bois, j'en ai aucune idée. Tu penses que le jeu il s'en bat les cacahuètes? Ça. Mais du coup j'ai même pas assez de connaissances pour dire si c'est réaliste ou pas. Ouh. Ah t'as déjà pris tous les feux d'artifice. Ouais, ce garage était magnifique. Du coup on va même pouvoir faire la quête. Parce qu'il faut amener une caisse de boulet à Plunder et on est à Plunder. Sérieux? Faut pas que t'oublies les caisses explosives sur le map par contre.
suis pas là, mais ok. Attends, je peux peut-être les grappiner d'ici avec. Ça passera jamais à travers les barreaux. Oh, si, ça passe à travers les barreaux. Ah, la deuxième, j'y arrive pas. Ah, une sur deux. Je sais pas comment j'ai eu la première, elle devait dépasser du bord. Ah, bah si, j'ai eu la deuxième. Il reste encore trois merdiers. C'est pas toi que je visais en plus. Aïe, j'ai pas eu l'eau. C'était surprenant. Il me restait une coupette, je crois. Ah, une coupette. Ah. Voilà, coupette. Tu l'avais plus dans les mains en fait quand je t'ai chevé, c'est ça? Non, je l'avais déjà posé. Tiens madame. Je veux faire autre chose, mais... Ah oui, caisse de boulet, la remplir et essayer d'aller faire la quête. Tiens. Parce que je me suis gardé la caisse de boulet, faut que je la remplisse, je suppose, pour que ça marche. Ouais, sûrement. Ok, et la quête c'est une caisse de boulet, de canon à avant-poste plunder. Ça doit être à la marchande du coup, je suppose. À la marchande, oui, je suppose. Est-ce qu'ils ont pas mis de nom? Non. Je relirai le truc devant la marchande, mais... Pardon. Je peux le lire tout de suite, hein. Ah oui, oui. Je peux pas courir avec la caisse dans les mains et lire en même temps. Alliance, par ordre officiel, les caisses à livrer peuvent être récupérées auprès de tout marchand. Quoi? C'est une caisse à récupérer avant, en fait. Ah. C'est... Caisse de boulet de canon livrée. Mais ça n'a pas fait la quête. Si, si, ça a fait la quête. Hein? Ouais, c'est bizarre. Bref. Ouais, c'est... Enfin, en fait, non, c'est une forme de quête... Enfin, que tu as souvent... Enfin, pas souvent. Parce que généralement, c'est va chercher machin, tu le récupères et tu le ramènes là-bas. Ouais, c'est là-bas. Ça. Et là, c'est juste une caisse à l'arrache en mode. Trouve là et amène là. Est-ce qu'on avait le bouquin de le 4 dans... Oui. Tiens. Ah, on l'avait pas oh, celui-là. Tome de feu 4. On a peut-être débloqué un truc du coup. On a dû débloquer un skin. Un skin ah de oui. Quelque chose. On va savoir lequel c'est. Ouais, et puis maintenant qu'il est débloqué. Ah, c'est ça. On a internet, hein, pire. C'est vraiment, on est curieux. Journal pirate réputation. Ah! Quand même passé à... Ouais, j'ai fait un demi-niveau de fortune d'Athéna, quoi. Pas non plus oufissime. Point. Bah, au niveau des trucs de... Ah non, ça c'était les tomes de résurrection. Grade 2 chasseur de trésors, grade 1 de la fortune. Tome de feu, je sais pas ce qui débloquait. Tome de feu 4. Hein. Tome de feu 4. Oh, internet doit le savoir, non? Oui. Peut-être. Canons, ils sont là. Alors le livret des canons, c'est... Marrant celui-là de canon. Bref. Enfin, merde, c'est lesquels qu'on va équiper actuellement? Alors, non.
Scholar of Fire title and unlock the Blunderbuss of the Ashen Dragon. The Blunder quoi? À the Weaponsmith Shop. Donc c'est une arme. Ah, c'est une arme, ok. C'est le skin, c'est feuille d'or. Les canons, c'est canon en feuille d'or. C'est okay. Vraiment un truc bling bling. Et donc t'as dit c'est une arme à feu, une épée? Ouais, c'est un tromblon avec un dragon de feu dessus. Oh, ça fait un moment que je suis pas allé dans les armes. Même pas où il est le vendeur d'armes ici. J'y suis. Parce qu'en gros moi le skin, je l'ai débloqué, j'ai trouvé cool et j'ai jamais changé de skin ni re-regardé les skins qu'il y avait quoi. Ah oui, il est... Ouais, ça fait un moment que j'ai pas non plus. Attends, c'est un sniper? Non, non, un tromblon t'as dit. C'est un tromblon. Collectionneur de tomes de puissance. Pas trouvé pour l'instant. Collectionneur de tomes de feu. Ah mais il les faut tous. Il faut les 5. Ah. Et on a eu qu'un. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça ici, effectivement. Je suppose que du coup, il doit y en avoir d'autres. Dans les coffres, et c'est au pif. Bah, le coutelas de la chaîne Dracon collectionneur. Ah non, de tome des malédictions. D'accord. J'ai encore tout qui se vend, ça me gêne. Moi aussi. Ah, on a déjà eu le, ils le sniper. Ils se sont pas fait chier. Ah hein, oui, c'était les tomes de résurrection. Parce que. Si tu regardes les armes de des vents de l'Est de Jade, enfin Jade des vents de l'Est, c'est exactement le même skin, sauf qu'ils ont mis le dragon vert au lieu d'en mettre un dragon bleu. Un dragon rouge. Oui. Parce que bleu et rouge c'est pareil. Ouais, t'as énormément de swap color, hein, tu sais, quand tu regardes le pistolet Silex de perroquet et de perroquet solaire, c'est exactement les mêmes. T'en as plein qui sont exactement les mêmes. Elle est marrant celle-là. Il y a une épée quand on débloque en... Oh, elle est bien celle-là aussi. Requiert l'accomplissement collectionneur des tomes de malédiction. Bah en fait, tous les trucs de Ashen, c'est collectionneur des tomes. Donc Mais non, parce que... En fait, t'as... Résurrection... Ah... Et je sais plus quoi. Attends, parce que, en gros... Les tomes de feu. Page... elle est... Il était où? Le coutelas d'Ashen Dragon? Ouais, tu as le coutelas d'Ashen Dragon, c'est page 3. Mais si tu vas page... c'était page combien? Ah, Nick. Ouais, il est marrant celui-là. Va falloir que je refasse un tour dans les skins. Ouais, si tu vas page 7, à côté du tout dernier en bas à gauche, t'en as deux autres qui ont pas du tout la même forme. Alors attends, je cherche. Et du coup, le coutelas des Jade de Vent de l'Est, c'est exactement le HN Dragon en vert. Encore une fois. Donc 7, tu me dis. Ouais, page 7, t'as l'arme légendaire qui coûte 2000 en bas à gauche, et les deux à droite, c'est deux autres skins d'épée en fait. Ah, le coutelas de puissance d'Athéna. Ah, t'as la rapière de la chaîne Dragon, collectionneur des tomes de malédiction. Ouais, et l'autre à côté, elle est en mode épée chinoise, les grosses là. Ouais, épée lourde. Collectionneur des tomes de malédiction. Ok, bah dis donc, ça va débloquer les trucs des tomes de malédiction. Ouais. Et donc sur la page d'après, t'as une épée rouge qui est coutelas au dard rubis. Voilà. Oui. Et alors ça, c'est moche. Bah moi d'ailleurs, j'avais acheté celui juste avant. La rapière du Flaming Jackal. Je sais plus si j'avais acheté ou débloqué, mais... Parce qu'elle était classe, oui. Il y a une arbalète. Ah, c'est un sniper, mais c'est une arbalète. Quoi? Parce que... Parce que skin. Oui, dernière page dans les snipers. Bah, le dernier sniper, en fait, que tu peux acheter. Ah oui, celui-là. Amir, la baliste. Pas, des...
Pas d'inquiétude, ce n'est pas vraiment une baliste mortelle, ce n'est qu'un fusil mortel. Yo. Soit. Oh, épée lourde de White Rose. Ah, un truc sympa quand même. Pareil, Mais ça bon. fait une plombe que j'ai pas été voir les fringues et c'est vrai que je me balade toujours avec les mêmes depuis le début du jeu. Ouais, bah moi j'ai profité Du que je reset. trouvais le skin de la, comment dire, de la saison pas trop dégueu pour le mettre. Parce que ça change. J'allais dire qu'est-ce qu'on va faire à la suite, mais vu l'heure, on va faire Ouais, que on va dalle à la faire rien du tout. suite. Donc, moi, je re-regarde les skins, grosso merdo. J'ai un chapeau, moi? J'ai pas de chapeau. Ouais, je trouvais pas ouf le chapeau de la saison. J'ai mis les cheveux. Bah, les chapeaux, tout court, je les trouve pas ouf. Ouais, ils sont rarement ouf, effectivement. J'ai quoi comme chapeau? Faut que je revienne. Ah, là. Ah, bah, j'en ai pas. Ça prouve mon. Oui, de mémoire, t'en avais pas. Ça prouve mon. Ma dévotion au chapeau. Mais Bah, ils pourquoi il y sont a un tous moches. moustique là? Pourquoi Welcome il y a un to the moustique? Temple des moustiques, putain. Ah, bah, écoute. Il vient d'où lui? Bah, sûrement de C'est dehors. perdu ou. Ah, mais je sais pourquoi, c'est parce qu'il faisait 25 il y a 4 jours là. Donc du coup, ils sont nés et maintenant il fait 10 degrés donc ils galèrent quoi. Eh bien, tant mieux qu'ils meurent tous, ces saloperies. De mémoire, c'est la bestiole qui fait le plus de morts. Par an, le moustique. Ça transporte des maladies. Ouais, ça transporte tout un tas de saloperies. Ouais, non, je suis toujours pas fan de leur chapeau. Bah, les chapeaux. Je. Vraiment pas ouf, quoi. Encore, t'as 2-3 tricornes par-ci par-là, mais alors les bicornes bizarres, merci, mais non merci. C'est Ou compliqué, alors, hein. à la limite, dans le bon sens. Parce que personne foutait son bicorne comme ça. Enfin, si, peut-être qu'à une époque c'était allé à la mode, je sais pas. Les gens qui mettaient leur casquette à l'envers. Oui. Alors là, c'est plus sur le côté qu'à l'envers, mais bon. Putain, mais en fait, j'ai Le chapeau débloqué d'encre des. de Kraken. On a débloqué des milliards de skins, mais je suis jamais allé voir. Genre. Ouais, t'es comme moi, t'en as pas acheté 3. Non, j'ai quasiment débloqué. On a quasiment débloqué, genre, toutes les ceintures. Enfin. Les barbes, je m'en fous. Les bottes. Les bottes, quoi. Oh, il y a des bandeaux. Si vraiment tu veux mettre un truc, t'as des bandeaux de toutes les couleurs. Tout à la fin. Des chapeaux. C'est vrai que j'ai pas fait le tour des robes. Ah, les ceintures, on en a des milliers. Ça, c'est moche. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme barbe à ma nana? Au moins, tu peux le faire. Ça, c'est cool. Tu peux mettre des robes sur ton perso masculin, donc techniquement, Oui. Techniquement, le jeu s'en tape. c'est ça. Et c'est très bien. Yep. J'ai pas acheté de bandeau non plus. Ouais, je vais y rester habillé comme pour la saison, puis je verrai un autre jour. Ouais, je regarde vite fait, je pense que je reviendrai jamais en ce menu. C'est ce genre de truc, je vais m'habiller que avec les fringues des saisons, si je les trouve cool. Donc je vais changer de une fois tous les 1000 ans à peu près.
Putain, je Non. baille. Il n'y a rien qui me... Oh, il plaît. Il n'y a rien qui me fait bander. Bon, les gants, pareil. Je pense qu'il n'y a rien qui va me plaire. En fait, là où ils ont été cons, c'est qu'il devrait y avoir un menu. Achète tout la panoplie Oui, de... achète tout le set. Tu Achète tout le devrais même set. avoir un menu, mais tout le set. Psychiatrie, j'ai pas le droit apparemment. Ou j'ai Tu le devrais avoir menu un qui menu, avait... visualise tout le set aussi. Ah ouais, des tatouages. Bon, les Ça pantalons. coule assez vite hein, avec la flotte, mine de rien. Quoi, on est en train de couler? Oui, il pleut. Ah. Je me demande s'il y a un niveau max. Ah, de pluie. Ouais, genre quand il pleut, le bateau il peut pas se remplir plus que 50% de la cale, par exemple, tu vois. Ah, tiens, je sais pas. Pour l'instant, je suis en train de, tu sais, d'observer l'escalier de la descente là. Quoi d'autre comme Pour marchand? l'instant, on est à la première marche. On l'agite, quoi. Ouh, j'ai cru que le jeu allait crasher. Ah. Ah oui, l'évrier de la malédiction dorée. Ouais, je l'avais pas vu, lui. Ah, oh, j'ai pas sorti mon Rinard, d'ailleurs, aujourd'hui. Mon renard mécanique. Fou. Moi, si je viens ici, c'est pour un familier. L'impression qu'en fait au début ça monte vite et après ça monte toujours, mais vachement lentement en fait la flotte. Ou alors c'est peut-être parce qu'il pleut moins, je sais pas. Je sais pas s'il pleut moins. Je sais pas s'il y a plusieurs niveaux de pluie non plus dans le jeu. Bah, les singes, je les trouve moches. Bref. Moi, j'ai toujours eu un problème avec les singes, mais je suppose que c'est parce que nous sommes des singes et que ça doit, comment dire, trigger un truc dans ma tête, bizarre. Ah, le chien qui garde les clés. Ah, avec un vêtement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un chat sans poil. Ah. Classique, hein. Oui. J'ai mon cousin qui en a un et du coup je l'appelle pot de couille. Ah, puis en plus toi qui aimes vachement les chats. Après oui j'ai eu un des chats de ma mère qui était comme ça. Bah, qui était pas exactement comme ça, parce que c'était un croisé je pense. Elle avait un tout petit peu de poils, mais vraiment éparses. C'était, ouais. Chelou. Bah non, il pleut plus. Comment je fais pour voir si le bateau est cool, s'il pleut plus? Et est-ce qu'on Ah, peut si, il pleut encore un peu. C'est juste couler qu'il le fait noir. bateau à coup de seau d'eau? Oh, oui, probablement. Attends, on s'est garé où déjà? Au bar, oui. Je partais au ponton, y a pas de bateau, what the fuck? Mais ouais, du coup, ça coule pas si vite que ça. Hein.
Et ça Enfin, dis-moi, pas si vite que ça quand tu regardes le truc, parce que en réalité, si t'es en train de naviguer, bonjour. merde. Non, là tu l'as pas pris au bon endroit. Ouais, mais Moi non plus. ça marche pas quand ça vient du tonneau, mais si ça vient de la cale, hein, ça monte encore là, non? Ça a arrêté de pleuvoir. Non, ça pleut encore un peu, mais ça pleut moins fort. Peut-être pour ça aussi que ça remplit moins fort. J'allais chercher de l'eau dans la mer. Ouais, j'ai fait pareil. Dans la mer. Je sais pas comment c'est codé du coup, hein. Ouais, parce que là, pas l'air de remplir quoi que ce soit. Ça veut dire que quand c'est de l'eau de la cale, ils considèrent que c'est de l'eau spéciale? Parce que Probablement, si, ça doit être si un. je fais ça et que je la rejette, ça remonte. Mais quand Oui. l'eau vient de l'extérieur, ça remonte pas. C'est ça. Ça veut dire qu'on Je peut pas pense que couler ça doit être un. une propriété de remplissage de cale que tu prends. Tiens, Ah, dans la merci pour gueule. le truc dans la gueule. On se l'est pris tous les deux dans la gueule. On devait être vraiment bien superposés. Oui. Ça veut dire Ah, qu'on peut. oula. Quoi? Ah, on arrive à la fin là. Ça va bientôt couler tout seul. Ah bah non, parce qu'il pleut. Fuck. Mais ouais, ça veut dire qu'on peut pas couler un bateau ennemi à coups de seau d'eau, quand même. Non, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça marche pas. C'est nul. Enfin, je veux dire, c'est ultra long de remplir une cale à coups de seau d'eau, du coup. Surtout avec l'eau de la mer. Oui. Ouais, non. Oui, non. Falloir faire un trou. En tout cas, on entend que le bateau il craque, hein. Il est plus très loin Ouais. du. Il craquouille. Elle est où la tempête? Effectivement, la tempête est passée. Vas-y, on va chasser la tempête. Bah, elle est devant nous, dans le sens du vent. On va frotter. Bon, au pire, ça va couler plus vite. Bah, je Oui. pense qu'on n'arrivera Bon, pas. du coup, Va, on n'arrivera boucher, pas va à attraper la boucher. tempête. Oh, je suis pas sûr d'avoir le temps. En plus, tu traînes la bite. Oui. Parce que t'as de l'eau au-dessus des genoux. Alors, on commence à avoir les doigts de pied mouillés à la table à cartes. Ah ouais, il les grince beaucoup là. Hein. Ah bah, en même temps, il doit pas lui manquer grand-chose. Comment couler son bateau sans l'endommager? Ouais. C'est pour les poissons. Et il pleut. Est-ce qu'on va avoir le temps d'arriver dans le cœur de la tempête avant de couler? Ouais, ça monte pas trop vite pour l'instant, ça va. C'est vraiment pas rassurant quand ça grince comme Oula. ça, quoi. Ouais, je vois bien de l'eau au niveau de la table, la carte. C'est bientôt la Oh! couleur. Oh! La barre elle tourne toute seule. Bah ouais, il y a de l'eau au niveau de la carte. Oh la vague! D'ailleurs, l'eau ne réagit pas donc à l'intérieur par rapport à la gravité. Prépare-toi à boucher un trou. Oh. Non, je déconne. Je suis pas sûr J'ai d'avoir le réussi temps. à tourner. Prépare-toi quand même. On sait jamais. Tu nous renvoies dans la tempête qui nous a envoyé dans un caillou.
on connaît les limites du bateau. Là. Donc là, avec de l'eau, là, il est encore sauvable. Pas passer loin, c'était clair. Ah, on a trouvé une île. J'espère qu'on va pas rouler dessus, je vois rien. Ah non, c'est moi les longs. Je sais même pas si ça monte vraiment ou si c'est juste parce que le bateau il va de gauche à droite. Ça monte pas vite, hein. En fait, moi je prends le tonneau au fond. Ah. Île. Ça va faire foirer l'expérience. Ah, une île. Pitié, il y a du fond. Bon, elle monte ou elle monte pas, l'eau? À la limite du cordage du tonneau et tout en haut du tonneau dans la cave. Ouais, si, ça monte. Ça monte pas vite, mais ça monte. Ouais, je te dis, mais je sais pas si c'est dû au tangage du bateau. Parce que là, on regardait le ciel, là, on regarde le sol. Ah, je suis sous l'eau aussi. T'as pris une vague? Oui. Ah non, c'est monté d'un coup là. Ouais, la table derrière elle est. Ah! Un mégalodon. Ah, what bah, the fuck? Il y a eu des glitches de ouf d'images chez moi. Je pense qu'on va pas tarder à couler. Il y a la première marche qui est sous l'eau là. Ça fait un moment qu'elle y est. Mais... Ah ouais? Ouais, mais la deuxième là, parce que on est pas loin de la deuxième, je crois. Mais oui, on a monté un étage de corde sur le tonneau. Donc, Attends, le mégalodon il doit se demander ce qu'on fout. Il est où? C'est pour, je vois, je suis sous l'eau dans la cale. C'est marrant, c'est que la tempête elle nous a dégagé. En mode. En mode barré, vous quoi, ouais. Là, il est toujours sauvable, c'est un tonneau. Et t'as les deux marches d'escalier pour remonter qui sont toujours. Ah oui, ah oui, ah oui. Par contre, là, en vrai, il devrait se vider tout seul à chaque fois qu'on voit vers le ciel et à chaque fois. Oui. Voilà, en vrai, normalement, on est tellement lourd qu'on passe plus au-dessus des vagues. À chaque fois qu'on voit une vague, elle devrait nous submerger et nous remplir. En fait, ma musique, elle est annulée par le mégalodon. Ça me... Ouais, donc là... Bah ouais, je t'ai dit, elle nous dégage... Oh la vache, ça grince de ouf. Ouais. On est quasiment au-dessus du tonneau de bois, en hauteur de bois. Ouais, donc la pluie... Ah, ça peut, mais en fait, t'as tellement de signes avant-coureurs que ça va. Je pourrais là, on arrive bientôt à la troisième marche. Pour remonter, mais ça monte vraiment. Oh, regarde, il est là, juste devant, il fait la course. Oh. Attends, il est noir, on l'a jamais tué, lui. Je sais pas. On va couler avant, mais ouais. C'est noir ou c'est blanc qu'on l'a jamais tué? Le blanc, ça me dit rien. Ah! Oh, ça c'est pas bon, on n'aura pas le temps de boucher. Notre expérience, putain! Je sais même pas où c'est. Je sais pas, c'est... Là!
Ah, j'ai la tête sous l'eau, blouloulou. Ouais, il y en a eu un deuxième. Il est où ce con? Je l'ai jamais vu. Là. Et pas dans la cale. Je les vois pas. La table d'arrière est sous l'eau. La table arrière est sous l'eau. Et on est toujours pas coulé. Ouh, la vague est passée au-dessus. On est sous les vagues. Ça fait dégueulasse sur mon écran. Oula, oh la vache, oh la vache, ça craque de ouf. Ah ouais, là c'est... Mais ça se trouve, on veut pas couler de la tempête. Oh la vache! L'arrière c'est une piscine! On a une piscine! On a une piscine à bord! Oh! Ah, la vague elle est bien passée là! Ah, c'est ça d'avoir un bateau de croisière en fait, on a la piscine et tout. Oula! Oh, et les vagues elles aiment pas, hein. Ça fait vraiment dégueulasse. Ça fait 5. C'est la première fois que je vois ça, mais c'est peut-être parce que la cale est remplie. Ouais. C'est la première fois que je vois les rats se balader sur les rambardes à l'extérieur. Ah, moi je les ai pas d'affichés. Ah. Je les ai virés. Eh, mais là techniquement l'eau elle se vide dans la mer. Hein. Oui. Je monte encore parce que là il y a vraiment plus d'oxygène du tout dans la cale. Ouais. Mais Ah, ça y est, il y a eu la musique, on a coulé. Putain, la vache, c'est Ouais, c'est compliqué. Ah, ok, bah donc maintenant vraiment, on... Voilà, s'il n'y a pas de trou, faut vraiment faire exprès, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On chasse le mégalodon à la main, ouais. Non, je veux pas tomber avec le bateau. Ah, toi aussi, t'es tombé au fond. Putain, la gravité. Ah, j'ai re-récupéré de la gravité, tiens. Bah moi, j'ai... Je suis mort, en fait. Je crois que le jeu est en train de me TP. Ah. J'étais dû être bloqué entre la table et le ponton. Et le jeu m'a dit. Bon, du coup, ouais. Et le jeu m'a dit t'es stuck, attends je te TP, je sais pas où. Oula, moi je vais te rejoindre bientôt, il y a au moins 5 requins. Oh. Aïe. Aïe. Je pourrais tricher et monter sur. Ah ouais, le jeu il m'a dit. Je suis mort. Le jeu m'a dit ta gueule. Ouais, moi je suis tombé, tu vois le bateau il s'est mis vraiment à la verticale, ouais. À la verticale, et du coup je suis tombé entre la carte et le toit. Ok, mais moi je suis tombé entre moi je suis tombé entre la carte et le sol, et du coup le jeu il m'a dit non, tu tombes pas ici. Et ouais, du coup quand ça m'a éjecté, il a fait oh tiens, la poussée d'Archimède, tout ça, on va la remettre en route. Ok. Ouais. Ah, déposer les pieds sur toutes les îles. 52 sur 74. Bah, t'as jamais venu ici. Eh bien, soit. Bon, bah, on. Ouais. Couler bon, du coup, ça tempête. Se termine dans 7 jours, nouvelle saison. Je sais pas s'ils enchaînent les saisons directes. Dis pas. Faudra voir dans 7 jours. I don't know. I don't know. Normalement, une saison, c'est 3 mois. Hein. Oui, mais je sais pas s'ils ont prévu une autre saison derrière. Hein. Avec un event spécial. Ou... Ah, bah, c'est juste une mise à jour de. On prend n'importe quel skin, attends, on fait gagner en 12 parties et. T'as ramené tes 5 requins ou quoi? C'est possible, ils m'ont suivi dans l'au-delà. Ouais, alors après ce qu'ils peuvent faire c'est... Ah tiens, t'es en squelette. Ah, j'ai bugué à ce point là. Ouais. Voilà. Ce qu'ils peuvent faire c'est genre la saison 11, c'est les récompenses de la saison 1, tu vois. Ah oui, ils peuvent reboot aussi, oui, effectivement. Comme ça que les gens qui avaient pas pu avoir les skins, ils peuvent les avoir, tu vois. Surtout que là, s'ils ont ouvert sur PlayStation Store... Ouais, j'allais dire, justement, ça serait pas con, parce qu'avec l'ouverture sur PlayStation... Voilà, ça pourrait permettre aux joueurs PlayStation de récupérer les skins qu'ils pourraient pas avoir, quoi. Bref, je vais me coucher. Oh oui, ça va faire la même, parce que je suis en train de lutter là depuis tout à l'heure. Yep.
Eh bien, je te dis bonne nuit et à demain si t'es là.